Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui, non pas pour l'ouverture d'un calendrier, du moins d'une case, mais de deux. Voilà, j'ai pas pu filmer hier, donc samedi 10, non, samedi 11, que je me trompe pas de jour. Donc, je le fais aujourd'hui, dimanche 12. Donc, je vais faire le 11 et le 12 avec vous. Voilà, j'ai essayé de pas me spoiler en n'allant pas regarder des vidéos et en n'allant pas sur Facebook. Sauf que j'ai été spoilée de 1 par ma faute. Bref. Du coup, je sais celui-là d'hier sur le Studio Light. Voilà. Je sais que c'est un pochoir en forme de fleur. Si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Bref, donc c'est parti. On va commencer avec Lunasia. Donc, hop. 11. Oh! Il croit bon. Petit deuxième. Sneakers. Et le 12, il est où le 12? Il est là le 12. Ouais, c'est ça. Hop. Et c'est Temawan. Maman. Hop. Donc, merci à toi, Lunasia. Hop, je vais poser ça derrière moi. Non, par contre, tu tombes pas. Hein. Ce serait pas cool. Hop. Et on va ouvrir ceux de ma jumelle. Donc le 11, c'est comme ça. Alors j'ai eu du mal à trouver le 12. Au final, il n'était pas rangé dans les petites corbeilles. C'est un grand. Donc du coup, il était derrière. Et ceux de derrière, en fait, les grands. Je vais vous faire voir le format. Voilà. Les grands, ils étaient derrière. Ils sont derrière mes petites bannettes. Et en fait, eux, ils sont pas triés. Ils sont pas dans l'ordre. Je viens de voir ça. Je les avais tous pris pour les mettre comme ça, en pensant qu'ils étaient dans l'ordre. Mais non, ils sont pas dans l'ordre. Bref, donc j'ai eu peur. Je me suis dit, mince, j'ai perdu un numéro. Mais non, c'est bon. Bref, donc le 11. Hop, c'est parti. On va enlever ça déjà pour commencer. Oh, ça c'est une créa. Il y a de la cloche. Il y a de la clochette. On va pas trop tâter parce que j'ai pas envie d'abîmer. C'est pas une boîte, hein, clairement. Donc je pense que c'est une créa. Donc on va éviter de faire des bêtises. Allez! Hop. Ah ben il y en a encore. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Hop. Attention, suspense. Vie. Oh, c'est une mini pocket. Oh, c'est une mini pocket. Oh. Il y a 10 points, c'est ça. Hop, je pose ça là-bas. Il y a de la clochette. Je me spoil pas, je regarde derrière d'abord. Donc elle m'a fait des points, c'est ça. Là, elle m'a fait des petites fleurs. Elles sont trop belles aussi, celles-ci. Et là, elle m'a mis des petites. Ah, attendez, est-ce que ça ne va pas se remettre bien en place? Hop. Hop. Des petites étiquettes, petites tags, petites découpes. Oui, c'est plutôt une petite découpe de tags. Un petit tag et puis une petite étiquette. Donc, déjà, merci pour ça, ma jumelle. Et on va aller voir derrière ce qu'il s'y cache. Attention, suspense, je l'ai dans le bon sens. C'est pas de ce côté normalement les trucs. Et comme l'ouverture est en haut pour moi, j'ai juste à retourner comme ça. Bon, bref, c'est pas grave. Hop! Eh ben non, ah ben non, c'est pas dans le. Ah ben non, elle est trop belle, elle est trop belle, elle est trop belle. Trop forte la fille. J'ai mis ça par-dessus. Par-dessous, bref, vous avez compris, elle est magnifique. Je me disais, elle n'est pas dans le bon sens, ben oui, normal. Du coup, là, elle n'est pas dans le bon sens, non, elle est pas dans le bon sens, elle est en longueur, en hauteur. Bref, vous avez compris, elle est magnifique. Alors, elle s'est servie de Magicall pour faire son fond, je suppose, ou de poudre dans ce style, hein. Peut-être pas forcément les Magicall, mais voilà. Donc, on a tout plein de nuances de couleurs derrière. Son superbe tampon de fond ici là qui est juste sublime. Je ne détaille pas, vous voyez bien. On a les petits sentiments par ici. Donc là, il y a du washi et une petite étiquette. Alors, on retrouve ta petite étiquette. Et son super casse-noisette qui est juste magnifique. Il est trop beau. Il est superbe. J'adore. Je regretterais presque de ne pas l'avoir pris lui. Il est magnifique. Et là, on a des petits boutons en die cut. Waouh!
Merci, ma jumelle. J'adore, 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 j'adore. Faut que je range. Je rangerai après. Et là, c'est bizarre. Donc, numéro 12, du coup. Quelque chose de plus léger. Du coup, on est parti par où on va? Ah, bah non, j'ai pas besoin. Ah, bah si, il y a du scotch quand même. Mais j'ai pas besoin de m'embêter à l'ouvrir, tiens. Il y a juste du scotch là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Oh là là. Oh là là. Est-ce que vous reconnaissez ou pas le dessin en haut? Moi, je reconnais le dessin là-haut. C'est pour ça que j'ai fait. Oh. Ah oui. Je m'en souviens. Je m'en souviens, on avait parlé. Alors, c'est ça qui est bien avec ma jumelle. C'est qu'elle avait trouvé des petits trucs bien avant décembre. Plutôt bien avant. Avant décembre. Et elle m'en avait parlé. Mais ben moi, j'ai tellement une petite mémoire que j'avais carrément zappé. J'adore, pardon. Donc, je vais pouvoir m'éclater à essayer de faire une carte avec ce superbe. Alors, c'est pas un pochoir. Masque, voilà. Masque? Non. Gabarit, pardon. Oh, purée. Il va falloir que je teste ça. J'en perds mes mots, dis donc. Ma jumelle, j'en perds mes mots. Il est magnifique. J'adore. Alors, patin. J'ai un super grand tampon patin aussi. Je sais pas si ça rentrerait dedans, mais l'idée serait pas mal. L'idée serait pas mal de tester. Bref. J'adore. Merci, merci, merci. Hop, donc, je vais derrière. Et c'est parti pour le Art by Marlène. Donc, le 11, c'est celui-ci. Bah oui. Alors, je me suis fait spoiler sans trop me faire spoiler parce que du coup, quand j'avais ouvert celui-ci, je crois, il y avait un morceau qui se baladait par là. Donc, et même le 9, je me demande s'il n'y avait pas un bout qui. S'il n'était pas redescendu, le. On va voir ça. On va essayer de découvrir ça ensemble. Oh là. J'ai toujours un peu de mal à les ouvrir. Hein. Je les déchire plus qu'autre chose. Hop. Là. Ah, mais il a dû revenir à sa place. Ou c'est qu'il y en a plusieurs. Du coup, je pensais qu'il n'y en avait qu'un. Ah ben oui, vous voyez, celui-là, il bouge. Il a bougé en tout cas. Pourtant, il y avait du scotch. Il y a du scotch là, il y a du scotch en dessous là, mais ils n'ont pas dû tenir. Oh, mais il y en a trois en fait. Waouh. Moi, je pensais qu'il n'y en avait qu'un. Attendez, je vais voir ça de plus près. Ah, ils sont super sympas. J'aime beaucoup, beaucoup. Bon, là, vous voyez ou pas? Est-ce que je mets une feuille blanche en dessous pour vous montrer un peu mieux? Je cherche. Je sais pas si j'ai ça sous la main. Si, c'est bon. J'ai un bout. Voilà. Il a tout plié. Hop, on verra un petit peu mieux. M'embête que vous, vous les aurez déjà vus, mais bon, c'est pas grave. Ils sont super jolis. Ouais, moi j'avais dû juste apercevoir un morceau. Alors, duquel, du coup, je ne sais même pas duquel. Mais je me doutais que c'était une fleur. Voilà. Superbe. Ben, ils sont super jolis. J'aime beaucoup. Puis alors, moi qui suis fan de fleurs. Hein. Voilà. Donc, je les mets dans ma petite boîte avec le reste. Et on va voir le 12. Pardon. Où es-tu le 12? Là-haut. Ouais, on le voit, c'est bon. Alors, qu'est-ce que ça va être cette fois-ci? Suspense, suspense. Oh, fun! C'est ce que je pense. Je crois, hein. C'est ça, les papiers? Il est marqué, hein. Paper pad. Ah, vous voyez pas, là? Là, il est marqué paper pad. C'est peut-être ça, mais en mini, du coup. 5 par 5, 50 mm par 50 mm, oui, c'est ça. Hein. Pour moi, c'est des papiers. Alors, on va essayer de ne pas les abîmer. Ça serait bien. Puis, ça fait quand même un beau petit paquet. Oh! Ah, j'ai envie de me moucher. Hop! Donc, tout petit. C'est trop mignon, c'est tout petit. Oui, j'aime ce qui est petit. Oh, c'est chouette. Oh, j'aime les couleurs, alors je sais pas si vous allez bien voir. Hop, ici on a tout un petit sentiment.
Ah bah ici on a le même. Du coup, on en a loupé une ou pas? Ouais, on en a loupé une. Il y en a deux de chaque. Voilà. Hop. Là en rose. Là, ça fait une tache d'encre. J'aime beaucoup. Des taches d'encre. Il y a plusieurs couleurs. Ah. Il n'y en a qu'un? Non, il y en a deux. Je suis déjà passée. Celui-ci avec la petite fille là. Trop mignon. Trop joli. Ça peut être sympa pour intégrer à des cartes ou à d'autres créas. Bon, art journal sûr, hein, voilà, parce que calendrier est un peu basé sur ça. Mais ça peut être sympa pour mettre sur autre chose que du art journal. Elle est super sympa aussi celle-ci. Oh, tout plein de fleurs. J'adore, c'est les couleurs. Hyper payant. Super beau. Et là, ouais, comme un peu des feuillages ou des formes, je ne sais trop comment. Eh ben, c'est super sympa. C'est tout mini. C'est tout rikiki. Bon, ça ne sera pas pour faire quoi qu'on pourrait, hein, se mettre un défi de faire une créa en 5 cm par 5 cm. Ça pourrait être fun. Mais non, là, pour le coup, ouais, je pense plus les intégrer, moi, dans des cartes. À voir. À suivre, à voir, mais je vous ferai peut-être un petit truc, un petit quelque chose avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. J'adore le format. Oui, je suis gaga. C'est tout petit, j'adore le format. Bref. Et c'est pour ça que ça me... Pardon. Ça me perturbait de voir Paper Pad. Parce que je me suis dit, mais un Paper Pad, le plus petit que j'ai vu, moi, personnellement, c'est du 15-15. Hein? Donc, peut-être du... Non, si, du 10-10. À l'action, c'était des blocs en 10-10 qu'ils faisaient. Je ne sais même plus du combien c'était. Bref, les tout petits blocs, mais pas si petits que ça, en fait. Donc, ouais, j'aime bien l'idée. Voilà. Bon, sur ce, moi, je vais vous abandonner. Et puis, on se retrouve demain pour la suite des calendriers de l'Avent. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Salut!